J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, encore en communion de cœur et d'esprit, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce matin, bien-aimé de Dieu, nous méditons le psaume du jour qui nous est proposé par la liturgie. Ou tout simplement, c'est une exclamation que l'on fait à Dieu en lui disant « Seigneur, nous voulons habiter dans ta maison. En aucune façon, nous ne voulons nous éloigner de ta demeure. En aucune façon, Seigneur, je ne veux m'égarer de tes parvis. En aucune façon, Seigneur, je ne veux lâcher ta main. Tout le long de mes jours, Seigneur, je veux tout simplement rester dans ta présence, rester dans ta maison, rester dans ton champ. » Telle est la méditation de notre psaume du jour. Et je t'invite à faire de cela une prière personnelle en disant « Seigneur, je veux rester dans ta présence. Je veux m'abandonner dans ta présence. Tous les jours de ma vie, je veux rester dans ta demeure. Je veux rester dans tes parvis. » C'est Jésus, tous les jours de ma vie.
dans ta maison, Seigneur, j'habiterai. J'habiterai toujours dans ta maison, mon yaya, et j'habiterai toujours dans ta maison, mon papa, et j'habiterai. Tous les jours, rester dans ta présence. Oui, tous les jours, rester dans ta maison. Oui, tous les jours, rester dans ta présence. Oui, Seigneur, tous les jours, je veux rester dans ta présence. Tout le long de mes jours, Seigneur. Rester dans ta présence. Je veux habiter éternellement dans ta maison, dans ton champ de grâce. Mais au-delà de toute grâce, Seigneur, dans ton champ de miséricorde, dans ton champ de compassion pour les âmes, dans ton champ d'amour pour nos âmes, Seigneur. Parce que dans ta maison, Seigneur, je veux en être rempli, rempli de ta présence, mais de ta véritable présence à toi. Être rempli de ta présence qui est vraie, ta présence qui est vérité, ta présence qui est amour, ta présence qui est miséricorde et qui est compassion pour les âmes, Seigneur. Je veux rester dans ta maison. Au-delà de toute bénédiction, Seigneur, je veux rester dans ta maison. Tous les jours de ma vie, ma famille, mon foyer, mon travail, mes enfants, ma nation, nous voulons rester dans ta maison, dans ta maison, dans ta présence à toi, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, tous les jours, je veux rester dans ta présence, tous les jours de ma vie, demeurer dans tes parvis, demeurer dans ton champ. Ton chant de compassion, ton chant d'amour, de miséricorde. Oh Seigneur, je voudrais habiter tous les jours dans ta maison. Tous les jours, Seigneur, dans ta maison. Alors bien-aimé de Dieu, telle est ma prière pour toi en ce matin. Par la miséricorde de Dieu, rempli de compassion pour nos âmes, qu'il t'accorde cette grâce de toujours habiter dans sa maison, de toujours habiter dans ses parvis, de rester et d'y demeurer, afin d'être rempli, rempli de sa présence qui est véritable, rempli de son amour, rempli de, de sa miséricorde pour les âmes. Telle est ma prière pour toi en ce matin et je te souhaite de passer une sainte journée dominicale dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.